Bien, nous revoilà donc à Forcest. Donc la gestion d'inventaire. Je vais aller récupérer mes cargaisons spéciales avant. Je vais pas faire de crafting pour l'instant. À la limite, j'en ferai peut-être en off plutôt. Avant ma prochaine session, ou je sais pas, je verrai. Je verrai, j'aviserai de toute façon. Niveau équipement, on n'est pas trop mal, même ceux avec qui j'ai rien forgé pour l'instant. Ils se sont pas trop mal actuellement, je trouve. C'est tout? Vous m'emmerdez pour ça? Bon. Hop hop hop, et c'est parti. Tu me dis pas hop hop hop, s'il te plaît. Un peu de respect pour l'inquisiteur. Sinon ça va très mal aller. Ça va très mal se passer. Un sillage sanglant, un peu mieux que celui que tu possèdes, Dorian. Alors, je pense que... Merde. Je pense que toi, au niveau de ton arme, c'est bon. Hein. Même le bouclier, d'ailleurs. Ouais, c'est largement bon. Cole. 266 et 229... Ah, il y a un petit 314 là. Promesse de la tempête. Et on met la tueuse de chevalier ici. Tiens, bah, tu prends ce sillage sanglant, Vivienne. Solas, tu gardes ta tempête. Varric, tu gardes Bianca. Iron Bull. Iron Bull. Eh ben... Tu vas passer à Martel. Armure. Donc Tashodan, Cassandra, Serra, Dorian, Blackwall peut-être. Non. Merde. Cole. Non. Vivienne, Solas, Varric. Varric, il a ça, je peux lui mettre ça, 479. Et pour finir, Iron Bull, ok. Et ben c'est bien. C'est déjà plus vite fait qu'avant, hein, maintenant. Ah oui, on a eu des anneaux et des ceintures rares quand même. Ouais, bon, je vais garder les rares pour l'instant. Et... Le reste, je le vends. J'essaierai peut-être, si j'ai pas la flemme à un moment, de m'en occuper. Ça rapporte du pognon, toute cette merde. C'était du bon butin quand même, hein. Allez, c'est sûr que ça m'a pris du temps de faire le tour de cette zone, mais ça aura au moins été bien rentable, il faut l'admettre. Bon, les enfants, maintenant. Très fond. Ah oui, ça, d'accord. Non, ce qu'on va faire plutôt, on va prendre la carte du monde. On va commencer par les marches solitaires. On va retourner là-bas et faire toutes les petites merdes qu'on n'a pas encore faites. En sachant que de toute façon j'ai débloqué déjà tous les campements, ça va être quand même relativement rapide. On va partir du village de Golfalois parce qu'il y a des endroits que j'étais supposé déverrouiller mais j'avais pas encore les doigts agiles. Donc 6, 8, 2. 6, 8, 2. Voilà. Donc on fait ça déjà dans un premier temps. Ça va être quelque chose qui va pas nous prendre bien longtemps. Hein. C'est juste le fait de déverrouiller deux portes. Après, une fois qu'on aura fait ça... Eh ben, je sais pas. On va viser. De toute façon, je vais aller à un campement où il y a des choses à faire pas loin.
sur l'avenue de ses pensées. Alors, le village de Golfalois, il a souvent du mal à charger, surtout quand j'arrive en fin de session comme ça. Du coup, ça a peut-être un peu ramé sur le au début. Fort Céleste aussi, il a beaucoup de mal en début, en fin de session. Il y a, en tout cas, pendant tout le temps où j'étais dans le désert, globalement, ça restait plutôt fluide, hein. Il n'y avait pas trop de soucis. C'était une zone qui posait pas de problème niveau fluidité. Sûrement parce qu'il y a moins de trucs à charger. Ça se ressent Quelque un peu. chose ici. Je vais voir ça de plus près. C'est cool qu'il va voir ça de plus près. Ok. Allez. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Simplement un whisky sombre, vin rituel, bière du conscrit. Une bouteille sur laquelle est écrit Krugard Carver Oak. Qu'ils aillent tous en enfer. Ah, on a trouvé la bouteille de Carver. Énorme. Du pognon. Alors Carver est passé par là, hein. Intéressant. Putain, il y a du monde, hein. Mais oui, c'est uniquement pour ça. Allez, on passe par là. Merci. Est-ce que je peux ouvrir cette porte? Alors, quoi de beau là-dedans? Un coffre. Ok, je prends tout ça. Ah, une réquisition. Obsidienne aux tombes. Ouais, à voir. Lyrium. Le lyrium est le seigneur des métaux. Sous nos pieds, il n'a de cesse de chanter. Lorsqu'il est raffiné par des mains expertes, il se transforme en un liquide argenté, à la fois lisse et chatoyant. La caste naine des forgerons l'allie à de l'acier pour confectionner des armures indestructibles et des lames qui perdurent à travers les âges. Le façonnat, quant à lui, en fait un gardien de la mémoire vivante. Certains érudits, enfin, le conser... Certains érudits, enfin, le conservent tel quel, comme preuve que le lyrium est bel et bien vivant. Le plus lucratif est de mettre du lyrium entre les mains des forts moris, qu'il associe à des métaux de base comme l'or, l'argentide, le viridium ou même le fer, pour produire des enchantements. Bien que les mages s'en servent évidemment sous sa forme diluée pour renforcer leurs capacités, ce n'est pas recommandé. L'abus de lyrium peut être dangereux, surtout utilisé en grande quantité. Il est déconseillé par exemple à un lecteur de manipuler du lyrium brut qui tue souvent par simple contact. Extrait de Manuel de l'alchimie appliquée à la métallurgie, tome 1, par le seigneur Séraste de Marnaspel. Bon, il y a Dorian qui a un level up, je vais lui faire vite fait. Alors, marque spirituelle. Vous associez un esprit assaillant à une cible qui subit des dégâts continuels. Si la cible meurt, l'esprit associé revêt brièvement l'apparence de la victime pour se battre à vos côtés. Ça peut être pas mal, ça. Ça peut être pas mal. Alors, bon, écoutez, on va commencer par le campement des fermes de Golfalois. Il faudrait juste, par contre, que je remette, avant de faire le voyage rapide, le pied d'égalité. Là, on peut se permettre de le remettre. En plus, il y a une porte là que je peux déverrouiller. Ok, c'est parti.
On va pas changer de compagnon puisque là pour le moment on n'a pas fait grand chose. Je vais peut-être garder Cole pour l'instant, vu que j'en ai eu besoin. Vous savez, j'utilise un peu le principe que j'ai commencé à appliquer il n'y a pas longtemps. Donc le truc qui serait cool, c'est de commencer par aller vers ce site important. Quoique, même plus près, il y a cette porte verrouillée justement. Donc allons-y. Bonjour, bonjour. Ça fait un bail que je suis pas venu dans le coin. Donc c'est cette porte-là qui est verrouillée. Mais c'était chez le forgeron, ça, non? Non, le forgeron, il est là. Il est toujours là, d'ailleurs. Ça va, Bran? Bon courage à vous. Ouais, apparemment, ça va. Bon. Alors, hop, une armure lourde de garde, garde des ombres. Poussez-vous! Pas la peine de prendre toute la place, putain. Maître de net. Elena m'a dit que vous aviez réglé leur compte à ces maudits loups. Nos fermiers devraient pouvoir travailler sans danger maintenant. Vous avez rempli votre part du marché, Inquisition. Vous aurez tous mes chevaux, ainsi que des bras pour vous aider. Ah ouais, j'étais pas revenu te voir pour ça, toi. Vous avez envoyé vos palefreniers et vos chevaux à l'Inquisition. Et vous, alors? Eh bien, vous avez remis de l'ordre dans le coin, et je dois avouer que votre proposition est tentante. Mais je me verrais mal abandonner mes terres pour reprendre mon travail de maître palefrenier. Vous savez, l'Inquisition récupère des chevaux venant des quatre coins de Tedas. Tiens donc. Très bien, Inquisition. Je m'occuperai de vos chevaux. Golfalois offre ce qu'il y a de mieux. Qu'on ne dise jamais le contraire. Laissez-moi juste régler mes affaires ici et dire au revoir à ma femme. Je vous retrouverai à Fort Céleste. Ok, je pensais que j'étais persuadé que j'étais déjà passé le voir, lui, mais... Bon. Oh, de l'elfidée. J'ai prévenu les fermiers. Merci d'avoir repoussé ces loups. Mais de rien. Bon, maintenant que ça c'est fait. On va par là. Je vais garder Cole, hein, y a pas de raison. Range tes armes, Cole. Merci. Là, il y a un truc revendicable. Tout près de la faille. Je pense qu'il va falloir s'occuper de la faille en premier parce que sinon ils vont me faire chier. Allez, c'est parti. Allez, vas-y, crache tes démons. Crache-moi tout. Allez, adieu. Merde.
Bien sûr, je suis pas attaché aux dames, donc je peux pas. Hop là. Oh. Ça c'était moche, ça. Ça c'était moche. Alors c'est juste Tachodan, il en a plus rien à foutre. Il lève même plus le bras pour ça. L'amante de Tirda. Donnet, je me fiche de savoir si ce terrain est le meilleur de toute la ferme ou non. Les fermiers suivent les vieilles coutumes et les anciennes traditions. Il faut respecter ça, tout comme je respecte ta manie de tordre les vieux clous de fer à cheval en forme de porte-bonheur, que tu glisses dans la doublure de nos selles. Si les gens du coin veulent garder cet arbre en l'honneur de la menthe elfe de Tirda, on garde cet arbre. Point. Ce qu'on perd en terrain, on le gagnera en loyauté. Si je vois que l'arbre a disparu pendant mon absence et que vous me servez une histoire de tempête ou je ne sais quoi, brenez-toi, j'arracherai la vérité à Seana et je te promets que tu passeras le reste de tes nuits dans ta chère étable. Avec tout mon amour, Elena. C'est une sanguine, la Elena. Faut pas la faire chier. Ah, Astrarium, ça c'est hors de question. Allons plutôt faire un tour par ici. Apparemment il y a une quête, donc faut voir. Faut voir. Allez, on grimpe la montagne. C'est parti. Le bosquet du bélier mort. Bienvenue au bosquet du bélier mort. Qu'est-ce que c'est que ça? Message trouvé sur un cadavre. Bégrit, ça en vaut la peine. Tu t'inquiètes pour rien. Je t'ai vu chasser, toi et ton arc. Vous êtes aussi unis que le Créateur et le doux Saint d'Andraste. Et il n'y a rien au monde qui continuera à respirer une fois que tu y auras planté ta hache. Crois-moi, quand tu auras assez de griffes d'ours, et n'oublie pas qu'elles doivent être de belle taille, je ne veux pas te voir revenir avec des griffettes d'ourson et un regard de chien battu. On en fera quelque chose qui nous rendra tous les deux riches. Pense à toutes les filles de Golfalois pendues à ton bras, Bégrit. C'est un bras fort, mon ami. Assez fort pour tuer trois gros ours et rapporter leurs griffes. Occupe-toi de ça, et ce bras aura une jolie fille à enlacer la nuit. Bonne chance. Ne reviens pas sans les griffes, Jasker. Du coup, faut que je trouve des griffes d'ours. Soit. On y pensera, éventuellement. Si ça a la moindre utilité de faire ça. Hormis on rapporter du pognon, j'imagine. Bon, ok, alors on va partir du campement de la forêt. C'est quoi que ça m'indique là? Ah bah c'est les griffes d'ours. Bon bah ça tombe bien. On va y aller et... est-ce que je change mon équipe? Non, ça fait pas si longtemps que ça. Ça vaut pas le coup de la changer maintenant. On la changera plus tard. Un gros ours, allez c'est parti. Tiens. Putain, un autre ours. Je suis dans la zone des ours là, de toute façon. Ça va être la merde ça. Okay.
Merde. Je sais pas s'il me manquait tant de vie que ça, j'ai pas bien fait d'utiliser ma potion. Ok, c'est bon, on a eu les deux ours. Qu'est-ce qu'ils attaquent là-haut? Mais je crois que c'est un autre ours qu'ils attaquent. Putain, il y a des Nadari. Non, c'est des Mabari qu'ils attaquent, putain, mais on n'a pas de temps à perdre avec des Mabari. Bon, j'ai eu griffe de grands ours. Ouais, quand même, hein, j'en ai tué deux, donc j'aimerais bien en récupérer deux, merci. Après, les Mabari, je m'en branle, vous me faites chier à attaquer les Mabari. Là. Faites vraiment chier. Y'a pas besoin d'attaquer les Mabari, arrêtez vos conneries. On cherche des ours. 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 Ours, ça explique tout. Ah, y'en a un là. C'est un petit, mais... Tiens! Merde. Allez, prends ça. À l'attaque. Un gros, là, à côté. Ce qu'on ours, ça y est, il attaque. Aïe, aïe, aïe. Et ben voilà, je pense qu'on a nos griffes d'ours. Oh, ça c'est la peau du petit, et ça c'est le gros. Que s'ils deviennent réels, pourquoi ne peuvent-ils pas être pardonnés tels qu'ils sont? Les gens disent qu'ils sont incapables d'apprendre ou de grandir. Oui. Mais plus vous êtes en contact avec ce monde, plus vous acquérez de capacités. Pourquoi voudraient-ils prouver que ce que fait le créateur est mal? Il est déjà loin. Ce n'est pas une question de bien et de mal. Il s'agit d'attention. Lorsque l'on croit avoir été oublié. Et de faire rouler la balle pour qu'elle entre dans le trou. C'est fascinant de vous écouter tous les deux. C'est comme reconstituer un puzzle avec la moitié des pièces. Ça me fait plaisir de vous divertir. J'ai pas envie d'affronter un autre ours, on en a pas besoin. Cela étant, c'est bien beau d'avoir assemblé trois trucs d'ours là, mais qu'est-ce que j'en fais? Genre... Sérieusement, qu'est-ce que j'en fais? Les marches solitaires.
la quête est considérée comme terminée, là. Les marches solitaires. En selle, blablabla, sécurité des fermes, des chevaux pour l'inquisition, au loup, fort des mercenaires, mal profond, traitement rare, étrange collègue, blablabla. Les griffes. D'accord, mais... Il est où, Bégrit? Ils sont marrants, ouais. Genre, la quête, elle s'arrête comme ça. Il n'y a rien d'autre. C'est quand même bizarre. Oh putain, ils sont en train de me mettre toutes les quêtes terminées parce que j'étais dans quête terminée. Ils sont sérieux, là? Celle sur laquelle j'ai cliqué, je crois. Cette faille. Ouais, pas tant que ça en fait, mais c'est surtout que je manque de potions. Hein. Oui, il utilise Yasuras qui utilise sa résurrection. Solas peut pas utiliser sa résurrection ce coup-ci. Dur. La récompense est disponible dans la cargaison spéciale. Encore ?
Bon, elle était un peu violente, celle-ci. Eh, y a un... Oula, il se passe quoi, là? Des hors-la-loi et un ours. J'ai pas envie de perdre de temps avec ça, moi. Mais y a une nouvelle quête, en haut. Oh, je l'atteins. Ignorez-moi tout ça, là, on se casse. Laissez-les se battre entre eux. Bon, il doit y avoir un moyen. Il doit y avoir un moyen. Putain, mais il y a encore un ours. Il y a trop d'ours ici. Non, laissez cet ours tranquille. Voilà, il est parti bouffer le fennec. Tant mieux. Oh. Ok. Donc ça, c'est la forteresse. On y avait déjà été, je crois. On s'était déjà occupé de ça. Et justement, c'est peut-être cette forteresse qui va me donner l'accès à là où je veux aller. Ce serait bien. Grand pavillon forestier. Ok. Donc faut passer par là. On grimpe. On passe par là. Donc, ouais, c'est pas vraiment un voleur a dérobé une chose importante dans une forteresse à l'ouest. Un message menaçant découvert sur le cadavre du voleur suggère que le propriétaire de l'objet en question souhaite ardemment récupérer son bien. Ah ouais. Bon, je serais pas venu pour rien au moins. Mais j'ai l'impression que je vais pas pouvoir accéder à où je voulais aller. Accomplir le rituel. Oh putain. Ouais, je sais ce qu'il fallait que je fasse à Force Céleste, je suis en train de me rappeler. Il fallait que je m'occupe de mes bonus. De mes avantages de l'Inquisition, parce que j'en ai obtenu quelques-uns. J'en ai obtenu deux, je peux les faire. Mais ok, donc du coup, ça m'a pas forcément mis sur le bon chemin, mais ça m'a fait accomplir une petite quête. Petite quête à la con. Ça m'a toujours donné un poil d'influence, hein, et de puissance.